Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir Gabon News pour vous informer. Au sommaire ce soir, on observe depuis quelques jours à Libreville, mais aussi à l'intérieur du pays, une carence en carburant dans la plupart des stations-service. Des files d'attente causées par cette pénurie de carburant bloquent la circulation et créent des embouteillages dans la ville. Une situation qui prend de l'ampleur et met les automobilistes à mal. Je vous l'annonçais en titre, depuis mercredi, l'approvisionnement en carburant est fortement perturbé dans la quasi-totalité des stations-service de la capitale gabonaise. Au Vindo, à Kanda, de longues files d'attente sont encore visibles dans les rares points de vente disponibles où le rationnement est de mise. C'est un reportage de Justin Bitégué, Martial Tsonga et Refu Itoga. Déclenchée depuis le 1er décembre, la grève de l'ONEP vient officiellement de gagner Libreville et sa périphérie. L'approvisionnement en carburant est fortement perturbé dans la totalité des stations-service de la capitale. Une situation que déplorent de nombreux automobilistes. On est là pour le carburant, puisque ça manque. Ça manque. On ne sait pas ce qui arrive. Mais on subit, mais on supporte ce qui est là et on consomme. Oui, ça fait un manque à gagner. Bon, ça nous bloque, il faut payer le loyer, il faut un peu payer des courses pour les enfants. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon, nous sommes là depuis une heure de temps, mais on supporte quand même puisqu'ils arrivent à servir petit à petit. Donc on essaie de supporter. Parce qu'on ne comprend pas que dans un pays où nous fabriquons du carburant, pour nous en procurer, c'est des problèmes. Le pays va mal. Des confidences de certains gérants de stations-service. L'arrêt dans la fourniture de carburant pourrait être total dans les jours à venir, car l'aura stock disponible s'épuise déjà. Une situation que parfois freine les activités de certains automobilistes et conduit les piétons à battre le macadam. L'insalubrité, un phénomène plutôt courant dans nos villes, mais quand c'est le quartier éponyme de feu président Léon Ba qui n'est pas épargné, les populations s'indignent et menacent de bloquer la voie afin de faire réagir les autorités. Un ras-de-bol dénoncé au micro de Arsène Rebouka. Voici à quoi ressemble l'un des artères du carrefour Léon Ba, une décharge. Il a plu et ici, odeurs nauséabondes et détritus sont à leur comble. Les riverains s'indignent de l'état de ce quartier qui porte le nom du feu président Léon Ba. Mais déjà nous sommes indignés à cause de ça. C'est quand même la résidence du premier président de la République gabonaise. Comment on peut venir ériger une poubelle ici? C'est pas normal. L'ancienne résidence du premier président de la République, Léon Gabriel Mbamin Komeda. Regardez, en face de chez lui, quand même. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. En face, l'ancienne résidence du président Léon Ba. À gauche, la boulangerie du quartier. Les riverains, là, de cette situation, comptent bien utiliser les grands moyens. Les habitants du quartier, on a décidé que dans les jours qui suivent, si ce n'est pas embelli là, nous allons barrer la route. Moi, je dis ça et je n'ai pas peur de ce que je dis. Voilà. Un cri du cœur pour ces riverains qui espèrent bien voir ce quartier débarrassé de cette décharge et ainsi retrouver un peu de ses couleurs. Malgré la reprise normale des cours au lycée Assogo Eyene de Minvoul, celle-ci est confrontée à quelques problèmes. Le manque de professeurs en matière scientifique, besoin d'un internat au sein de cet établissement. Un internat qui fera du bien aux nombreux élèves qui parcourent plusieurs kilomètres pour venir étudier. C'est un reportage de Justin Bitégué. Créé en 1998 comme collège d'enseignement secondaire de Minvoul, devenu 12 ans plus tard le lycée Assoro Eyem souffre aujourd'hui de plusieurs maux. Près de 10 salles de classe sans enseignants de mathématiques et d'anglais. Un véritable souci de déplacement pour atteindre la ville d'Oyem, faute de véhicule de service pour l'administration. Une construction des toilettes modernes sans faux septique, toute chose qui contribue au mal-être du lycée. Nous avons un déficit en moyenne 60 par salle de classe. Nous avons un déficit de 5 salles de classe. Ça nous manque et ça nous perturbe dans le cours. Nous avons 10 salles de classe qui manquent de profs d'anglais, profs de mathématiques, profs de français. 10 salles, vous voyez, c'est énorme. Pour un lycée de plus de 900 élèves, nous ne disposons que d'un seul enseignant d'anglais. L'année dernière, j'ai pris des vacataires, mais les budgets sont ce qu'ils sont. Nous ne disons pas grand-chose là-dessus. Nous restons avec des dettes parce qu'on n'a pas pu payer totalement ces vacataires. Et cette année, je ne peux pas me risquer parce qu'il faut confondre le salaire du proviseur avec le budget de l'établissement pour satisfaire. C'est moi qui engage, donc je ne peux pas me dérober.
quand je prends un engagement, il faut que j'aille jusqu'au bout, que ce soit l'agent de l'État ou mon agent, on le met à la disposition de l'établissement. Nous n'avons pas de voiture, c'est mon véhicule que je mets à la disposition de l'établissement. Donc, je n'ai pas pu prendre les vacataires parce que nous devons encore les anciens. Donc, prof d'anglais, prof de mathématiques, prof de français. Vraiment, c'est un problème urgent. Voilà autant de problèmes que subissent les dirigeants de cet établissement qui avoisine un effectif de près de 1000 élèves. Ces apprenants sollicitent la construction d'un internat au sein de l'établissement. La plupart d'entre eux reviennent des coins les plus retirés et n'ont pas de parents sur place. Autre chose, à présent, les membres de la communauté musulmane, ceux de la confrérie Mouride du Gabon, ont consacré la journée du jeudi pour commémorer la mémoire de Cheikh Hamadou Bamba, Martial Tsonga, Refu Itoga. Nous font le point. Ici, dans la villa de l'autorité morale de la communauté des Mouride du Gabon, située au quartier Louis de Libreville, que les musulmans, ceux de la confrérie, se sont rassemblés pour commémorer la mémoire de Cheikh Hamadou Bamba, une rencontre de partage et de solidarité. C'est pour commémorer l'exil forcé de Cheikh Hamadou Bamba à l'époque 1895. Les Français l'ont déporté vers le Gabon 1895 jusqu'en 1902, 7 ans, presque 8 ans. Donc c'est lui-même même qui a recommandé de son vivant chaque année le jour de son déportation exil forcé vers le Gabon, c'est la cérémonie d'aujourd'hui. On fait ça partout, tout bas, partout dans le monde. Partisans de tolérance et de paix, les Mourides du Gabon s'inscrivent aussi dans cette optique de partage, de solidarité et d'entraide. On est ensemble, il n'y a pas de... La communauté Mouride, c'est quoi? C'est... ce qu'on appelle l'indigo l'ordre. Quand le Cheikh a dit, on fait comme ça. Le Cheikh aussi, il dit ce que Dieu a dit. Il fait seulement que nous rappeler. Attention, Dieu a dit ça. Le prophète Mohammed a dit ça. Votre comportement doit être comme ça. Il faut tolérance, il faut supporter, il faut pardonner, il faut travailler. Pour la petite histoire, la confrérie des Mourides est fondée au XXe siècle par le Cheikh Hamadou Bamba et joue un rôle économique et politique important. D'ailleurs, le président Abdoulaye Wade, élu en 2000, est le premier président Mouride du Sénégal. Restons toujours avec cette confrérie. Les femmes de Mouride du Gabon ont été aussi présentes lors de la journée commémorative en mémoire de Cheikh Hamadou Bamba. Prière, entraide, solidarité, souhait pour la paix durable sont entre autres les vœux émis pour les peuples vivant au Gabon. C'est un reportage de Martial Tsonga et Refu Itoga. Ici, comme à la mosquée, hommes et femmes sont séparés. À l'entrée, on trouve les femmes musulmanes autour d'un plat de riz tchèp. Elles le partagent harmonieusement, signe de solidarité. Ici, ce qui se passe, c'est Serigne Touba qui avait pris à la mère l'embarné. Serigne Touba qui nous a bien élevés. Aujourd'hui, on est au Gabon, on est respecté les Gabonais. Aujourd'hui, là, ce qu'on fait là, on le fait chaque année et toujours c'est comme ça. On prie que Dieu nous amène, Dieu nous donne longue vie, la santé. Que Dieu nous garde. On est content pour notre chef, Seigne Fallou Bousso, Mam Diarra Bousso, Ndey Diouf, Diourine. La paix, l'amour du prochain, le partage sont ici les maîtres mots pour que les communautés musulmanes et bien d'autres se portent harmonieusement bien. On est fiers de rester au Gabon. Que Dieu nous garde. Je suis la présidente de Daïra et je suis fière d'être. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu nous garde. Longue vie, la santé. Les musulmans du Gabon en général et ceux de la confrérie des Mourides prient pour la stabilité et la paix au Gabon. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info se poursuit sur www.gabonnews.com. Je vous souhaite à tous un très beau week-end. À très bientôt.